Hey! Salut c'est Tigab et aujourd'hui on se retrouve pour faire notre base. Et oui, on va aller à notre base. Comme vous l'avez vu dans le titre. Je sais pas ce que ça va donner. Honnête, j'en ai aucune idée. En fait, il me faudrait des lianes pour euh, faire de la pierre moisie. Bon, j'en ai un peu quelque part. Je sais plus où je l'ai foutu. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait le ménage. Je l'ai. Non en fait j'ai même pas bougé était encore là bas alors j'ai remonté un peu le, euh, le niveau des chunks que je pouvais voir bon c'est un peu de la merde mais bon c'est pas grave alors je vais juste vous expliquer rapidement euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis la, la dernière vidéo alors Esteban a fini ça ah voilà vous avez qu'à aller voir sa chaîne si vous voulez voir moi je monte pas en haut pour vous montrer j'ai mis un petit coffre euh, ici pour Esteban avec euh, un petit peu de matériel pour l'aider. Alors, moi, maintenant, on va aller. Je... Vous voyez tout ça? Maintenant, on s'en va euh, où je veux construire ma base. J'ai des potions de vitesse. Ça pourrait aller mieux, quoi. Juste un peu plus vite, ça, ça serait bien. Ah, euh, mauvais, mauvais. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne étage. C'est cet étage-là. Il n'y a aucune potion là-dedans. Et là-dedans... Oui, on a des potions de chute lente. En fait, s'il mouillerait, euh, c'est ça que j'aurais pris. Parce que j'ai un trident avec euh, contre-courant 3. Et juste pour vous donner une idée, à partir de l'eau qui est là, j'arrive à peu près à euh, quasiment en haut de la tour d'Esteban. Ouais, ça, ça monte juste un tout petit peu. Hein. C'est comme si je montrais en haut de l'arbre en un coup. Bon. Alors, autre chose qui s'est passé, J'ai construit cette merde. Alors, cette merde, c'est quoi? Bah ben, c'est bienvenue chez Zercom Inc. Ici, vous allez pouvoir acheter des arcs, des cannes à pêche et autres produits de, la... de luxe. Euh, les sels, c'est à... 48. Et là, 48 de quoi? 48 de gravier, oui, parce que les paiements ici, c'est en gravier. On demande du gravier en échange de stuff euh, quand même assez. Euh... Assez puissant parfois, comme euh, j'ai des arcs un petit peu nuls, mais il y a lui quand il finit 6, celui-ci, 3. Lui, il raccommodage. Et voilà, vous comprenez, c'est des arcs quand même qui peuvent valoir cher. Alors, les arcs, c'est 32, tout comme, tout comme les cannes à pêche, mais les arcs enchantés, c'est un stack. Tout comme les cannes à pêche enchantés, en tout cas. Les livres, c'est demi Il y a quelques bons livres, mais bon, euh, dans le pire des cas, je vais peut-être le mettre à 1 stack. Alors j'étais là tout à l'heure parce que je me rappelais d'avoir vu ces fleurs-là. En fait, je vais en avoir besoin pour ma base. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas encore dit ce qu'on allait faire. Alors, euh, on va se trouver une montagne et on va creuser dedans. Voilà. Ma base, ça va être ça. Euh, vous connaissez peut-être euh, Fallout? On va essayer de faire un abri. Voilà. Un, le, un abri nucléaire. Alors, je sais pas qu ce que ça va donner. Je vous le dis tout de suite. Euh. Si j'y arrive, j'y arrive, sinon on est dans la merde. Littéralement. Là, si vous entendez des bruits de ronflement, c'est mon chien qui dort à côté de moi. En fait, euh, à lui, il y avait un orage juste avant. Je n'étais même pas sûr de pouvoir tourner la vidéo aujourd'hui. Et au final, ben, ils viennent de s'arrêter. Mais bon, mon chien, il a peur de tout. Ah, oh, c'est ça qu'il faudrait que je fasse la prochaine fois. Que je dompte un cheval. Alors aujourd'hui on a aussi du stock assez puissant comme cette belle arc qui one shot à peu près tous les mobs du jeu. Ah bon à part les boss hein, bien entendu. Mais littéralement, je one shot à peu près tous les boss avec. Bah tous les mobs du jeu avec cette merde. Alors bon, on va se retrouver là-bas, hein. Voilà. Alors, à tout de suite. Attendez. Ah ouais, c'est un zombie villageois. Ok, bah, à tout de suite. Bon! Alors... Euh, alors j'espère que vous avez apprécié ce petit. S'il euh, si en a eu un. En fait, je ne sais même pas quest ce que je vais faire pour euh, la transition jusqu'à ici. Alors, je cherchais une petite montagne. Pas trop loin du spawn. Bon, je suis peut-être à 5000 blocs facile. Facile, facile. Alors on va s'installer quelque part ici. Limite, je pense que je vais peut-être même m'installer de ce côté-ci. Mais tout d'abord, on va juste construire la petite maison euh, du naufragé, voilà. Point et définir notre point d'apparition aussi en même temps, parce que c'est euh, de la merde pour revenir ici après. Alors, on va déposer le petit ender chest, crafter une table de travail, et on va commencer. Alors bon, là je vais vraiment être obligé de... quoi que... Je peux m'installer, vous savez quoi, si je coupe les arbres qui sont là, il y a quoi derrière, il y a quoi juste ici, hmm. j'hésite, parce que je pourrais m'installer là et m'étendre jusqu'à là-bas, ou partir de là et m'étendre vers le haut, et vers le bas en même temps, Et ça Juste un trou d'eau les noyés vont apparaître. Ah, ça, par exemple, je dis pas non. Alors, bon, je vais manger. Euh, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve euh, quand je vais avoir euh, réfléchi ou ben, surtout avoir commencé la construction. Et on se retrouve tout de suite. Bon, alors j'ai décidé où on allait s'installer. Mais il y avait un petit souci que j'ai complètement oublié. C'est ma m'appelle à l'hostile touch. Ben, délicatesse si vous préférez que je ramasse du gaz. <laughs> oui bon, c'est peut-être pas drôle dans le sens, hey, c'est hilarant. Non non non, c'est juste que j'avais juste oublié. Et je pense je viens de dire, il y avait juste j'avais juste deux fois de filet. Tout à fait normalement, okay. Alors on va essayer de faire une, une sorte d'entrée. Là, il y a mon chien à côté qui est comme il est, en train, il est en train de rêver. Alors bon, ça ici je vais le, je vais le laisser quand même assez ouvert. Pour pouvoir y aller parce que si il y a des noyés qui apparaissent là-dedans, ça pourrait me faire une mini ferme à trident, si j'arrive à en avoir. Sachant que le drop est beaucoup plus élevé, est moins élevé maintenant qu'il y a quelques jours parce qu'ils ont fait une mini mise à jour si on veut. Parce qu'en fait, juste pour vous donner une idée, en allant dans le nether pendant une heure et en tuant tous les wizards squelettes, que, que je trouvais sur. Je sais pas moi. Un Wizard squelette tué. J'avais une chance sur deux d'avoir une tête. C'était à peu près ça les, les chiffres que j'avais calculé, Ça veut dire sur 10 Bah ben, j'avais j'avais huit têtes facile hein, C'est juste un chiffre que je vous donne comme ça là. Mettez-le pas au pied de la lettre. Je sais, c'est pas ça que ça donne habituellement. Alors on va, on va essayer de se faire une petite grotte. Euh, un début de grotte. Et euh, on va se retrouver après. Alors pourquoi j'ai miné ça en haut? Ben, je pensais me monter jusqu'en haut, mais en fait je viens de penser. On va s'installer vers le bas. Je vais remonter ça un temps soit peu. Pour euh, cacher. toutes les abris dans Fallout sont bien ben cachés. Mais bon. Allez, on se retrouve euh, quand je vais avoir euh, tout, tout, tout fini. Voilà. Alors, à tout de suite, euh, dès que je vais avoir commencé en fait la porte. Voilà. Il faut être plus clair. À tout de suite. Non, mais allez, là, c'est la nuit, bordel. Et Bon. Alors... J'ai un peu avancé. Il me reste à mettre euh, des dalles, en fait, pour faire un, un beau petit chemin. Parce que voilà. Ensuite, je vais utiliser euh, ma pelle pour tout, tout, tout enlever. Euh, prendre un peu de gravier, en mettre un peu partout. Peut-être faire aussi de la terre compacte. Euh, ici, c'est de la merde, hein, je vous le dis. J'ai voulu faire une déco. Et c'est de la merde, parce que de base, ici, je peux pas passer, ce qui est assez drôle. Je n'étais pas prévu. Hein? J'avais pas prévu ça. Mais bon, c'est pas trop, trop grave, c'est l'aide. Et c'est en ce que je voulais. C'est drôle à dire, hein? Alors ici, il va y avoir la porte. La porte va arriver ici. Alors pour la porte, j'ai pensé à mettre euh, 9 blocs de fer. <laughs> ouais. Euh, 9 blocs de fer, ça veut dire 9 fois 9. J'ai un blanc. 81. Voilà. Non, j'ai pas utilisé mes doigts pour compter. <laughs> ouais, bon, le vieux vieux truc de on baisse le 9 doigt et on calcule. Voilà. Bon, pour ceux qui ne le connaissaient pas, voilà, vous le connaissez. Alors, on va. C'est que le problème avec ce système-là, c'est qu'il peut euh, avoir un petit problème que j'avais eu. C'est que euh, les blocs vont être tirés, mais ils ne seront pas remis en place. Alors, il va tout falloir que je, me... que je fasse ça. Que je fasse un petit test en solo. Puis que je revienne. Mais je vais vous faire, je vous, on va arrêter la vidéo là. Alors on a commencé la base. Oui, je sais, c'est, con, hein. Regardez. Ça... Ah, ah ben oui. Mais ben oui, pas à côté de mon lit enfoiré. Mais... Comme vous voyez, euh... en fait vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai toute la, toutes les affaires de BDcraft. Hein, de... voilà, quand on ouvre ça, c'est le menu BDcraft. Mais j'ai pas le test sur pack bd Et là, je vais juste vous dire pourquoi. C'est parce que je ne peux pas avoir bd et être sur le RIMS en même temps. Je pas. Ça me fait des tests sur buggy. Alors, on va juste tuer ces salopes. Voilà, oui, c'est bien dit. Et il y a un con dans l'eau. Il y a un con dans l'eau. Et il n'y a rien. Est-ce que... L'autre un trident. L'autre un trident. Et je vais être content. En fait, parce que j'en dois un... Euh, on en doit un à... Ok, on a un bloc d'eau. Ça se mine Ah, oh, je ris trop. Attendez. Ah non, 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 ça se mine pas. C'est vraiment juste un bug visuel. Oh, fait Ça aurait été drôle de pouvoir miner un bloc, euh, bloc d'eau. Sachant que ça, tu peux les avoir en, en créatif. Tu peux te giver des blocs d'eau. En tout cas, sur ce, euh, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je sais pas combien de temps à deux. Euh, je vais peut-être installer un triboyeur Ou un bouton Et encore là le bouton Ça va juste être décoratif Il ne fonctionnera pas La seule façon de rentrer c'est que moi je sois en dedans Ouais En fait le bouton va être lié à une genre de sonnette Et c'est tout Je sais que c'est pour euh, abri Fallout Seulement vous pouvez rentrer Mais bon je me dis imaginez tout est fermé Voilà en fait, de base, je voulais m'installer dans un biome marais pour avoir euh, le terrain plus vert. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Euh, moi, ça m'écoeure. Je peux pas avoir de meilleure qualité euh, d'upload. De de Alors, des fois, c'est long. Alors, bon. Je peux pas vous en publier des, euh, une vidéo tous les jours comme que je faisais au tout début de ma chaîne. C'est pas parce que je veux pas, c'est que je peux pas. Sinon, euh, je serais déjà rendu à l'épisode 10. Facile. Bon, allez, on va être gentil, peut-être épisode 7. Alors, sur ce, euh, j'espère que vous avez apprécié. Euh, Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du thème, euh, de ma base. Certes, je suis peut-être pas très loin du spawn. Comme je dis, 5000 blocs facile. Là. Certes, ça n'a pas été très très long non plus à venir. Mais, dans le PDK, c'est juste un abri comme. Euh... Comme dans Fallout et je m'installe plus loin. Aha! Voilà toute la subtilité du, de ce décor. En tout cas, sur ce, je vous dis à plus pour plus de vidéos. Y est où le mouton! Voilà!